Et salut, salut, c'est moi. Je suis en diffusion vite fait cet après-midi pour faire 2-3 tests. Et notamment des tests ben, pour le son pour dimanche. Vu que je serai tout seul, peut-être un peu plus préparé que là. Donc là, on va faire 2-3 nouveautés pour une petite heure. Et des nouveautés qui ont des liens ou non avec, le site, enfin, des liens directs ou indirects plutôt, parce que je vais quand même rester sur des albums ou des artistes qui sont déjà chroniqués ou qui ont des artistes qui ont sorti quelque chose. Si on gratte dans les groupes avec 50 personnes, voilà, on peut toujours trouver quelqu'un qui est encore vivant aujourd'hui. Par exemple, on avait fait une petite émission rock, stoner, psychédélique et vous allez entendre un gars dont on a bien parlé en bien, hein. C'est Josh Homme qui ressort donc un album avec les Queens of the Stone Age, un petit single qui s'appelle Emotion Sickness, tout de suite sur la petite chaîne télé de Twitch. Use once and destroy. Single servings of pain.
avant de couper mon micro, c'était que voici le dernier album de Queens of the Stone Age qui s'appelle Times New Roman. In Times New Roman. New Roman. Pourquoi pas? Et ça, c'était le morceau. Le morceau. Extrait de In Times New Roman qui s'appelait. Ah bah j'ai oublié le nom. Mais vous verrez, c'est le premier single. Là, pour l'instant, l'album n'est pas sorti, si je ne me trompe pas. Mais ils commencent déjà à faire la promo sur leur joli site web. C'était pour vous rappeler que la plupart des albums sont déjà chroniqués chez nous. J'enchaîne de suite avec Terracite de Cattle Decapitation, groupe vegan militant, on va dire ça comme ça, qui a une culture des pochettes bien dégueulasses à base de consommation d'êtres humains, vu que on aura mangé toutes les vaches d'ici là. Terracite, comme Parasite et Terra. C'est un album, alors je ne sais pas s'il est déjà sorti. Il y a déjà des chroniques, mais ouais, je vois qu'il y a des choses qui sont sorties depuis 4-5 jours sur cet album. Vous trouvez chez qui? Chez qui c'est sorti ça? Je dirais Season of Mist, comme ça, au pif. Peut-être que je me trompe. Alors, la grosse radio nous fait une chronique sur Cattle Decapitation. Ils vont pouvoir peut-être me dire chez qui c'est sorti. Je vais pas le trouver. Metal Blade. Voilà. Metal Blade. Donc, sorti le 12 mai, le morceau s'appelle Terracite. Non, l'album s'appelle Terracite et le morceau s'appelle We Eat Our Young. Donc, nous mangeons nos enfants. Regardez bien, je vais vous afficher ensuite la pochette de l'album, c'est très très joli. Allez, c'est parti, Cattle Decapitation. Thank you.
Si c'est pas beau ça. Dernier Cattle Decapitation. Complètement dingue. Hein. Avec toujours ces espèces de petits synthés là qui font bien joli. Derrière cette brutalité brutale. Et j'enchaîne direct avec une autre nouveauté, cette fois en hip-hop. Donc comme je vous le montre là, il y a une jolie pochette avec deux petits gros. Un blond et l'autre brun. Je ne sais pas si vous les connaissez. Donc c'est un morceau qui est disponible aussi sur Bandcamp là, de JPEG Mafia et Danny Brand, de rappeurs contemporains. Et qui font de la bonne musique aussi, enfin j'espère, je vais le découvrir en même temps que vous. La pochette, ils sont pas foulés, hein, vraiment, ils ont pris une photo donc de voyage d'un blanc chez un brun, ou l'inverse. Ils ont tous les deux de très belles chemises, et le morceau s'appelle Scaring the Hoes, donc à mon avis ça veut dire quelque chose de très vulgaire. Mais je vais pas vous le traduire. Hein. Donc je vous mets ça tout de suite en cherchant avec mes petites mains et mes petits doigts. JPEG Mafia, il va pas vouloir me le donner. C'est un hip-hop rap, évidemment. Pop rap. Voilà. Allez, c'est parti. Lean beef patty. First off, fuck Elon Musk, $8 too much, bitch, that's expensive. Put the hoes in the back and the crack in the slack, my teeth is a leak and I meant it. I don't really need a check, cause I got no respect, and these niggas might know me like a dentist. City all about these kids, so we hear some shit, nigga, get offended. This ain't what you want, no, this ain't what you want. Fuck y'all niggas, I feel like Papa John. Left straight to the bank, I'm Tony Khan. And they hate what I say, cause I ain't wrong. What kind of rapping is this? The economy rat niggas bitch, you know it. I'm gonna take my bitch, that pussy get feeling like this, she know it. These niggas be texting with kids, they're testing your friends in the list, that's old shit. Fuck the bar, I don't fuck with you niggas like I'm Hulk Hogan. Wait, I am me, red eyes with a shot of repeat. Why you stretching the truth in your tweets? I've been stretching your girl, I am she. What's the deets? In the crib, you can soil it for weeks. Watch your energy, watch what you tweet. You can go from Eli to Ye to Weed. JPEG Mafia, j'enchaîne direct avec Cool Keys qui nous sort un Black Elvis 2. Matter of fact, you can do this. See me in the video, hear me on the stereo. Left to right, pour it out. Women throw their panties out. Gigantor Express, big like a robot. I walk cause I'm so hot. Back and forth on any tour. Watch it with my rain pour. Bang it like a headboard. You gon' see when I come. Spit on all kinds of drums. Yeah, drums. Yeah, drums. Yeah. Drums. Yeah, drums. Ok, c'était Black Elvis 2, nouvel album de Cool Keys, après Black Elvis tout court, hein.
Donc ça m'a l'air pas mal. Là, ils mettent juste l'introduction hein, du morceau qui peut être écouté. Donc c'est pas grand-chose qu'on peut se mettre sous la dent. Hein. Donc ça m'a l'air pas mal. C'est assez engageant pour la suite. J'espère pour vous aussi. Qu'est-ce que je vais mettre de beau? J'ai beaucoup écouté tout à l'heure quelque chose qui m'a assez plu, qui s'appelle Orb Weaving, un groupe qui s'appelle Midwife et qui a sorti un album avec Viva Melancholia, ou Viva Melancholia. Comment te dire? C'est pas mal. Ça ressemble un peu à du shoegaze comme on faisait dans les années 80-90. Et c'est pas mal du tout. Donc je mets ça tout de suite et puis vous me dites. Thank you.
la Midwife, un projet donc de, je vais me renseigner, de Madeline Johnston, une américaine de l'ouest des États-Unis et qui fait de la musique depuis à peu près 10 ans et qui a plusieurs projets, dont un qui, donc, qui s'appelle Midwife, l'autre Mariposa, une Sister Grotto et Mercury Tracer. Et là, donc, elle a sorti cet album avec quelqu'un d'autre, si je me... avec donc Viva Melancholia. C'est sorti en vinyle, en cassette et en ligne, comme d'habitude. Et je vais ensuite vous faire écouter quelque chose qui a été chroniqué sur notre site il n'y a pas très longtemps. Pour ce qui est des nouveautés, on a chroniqué pas mal de vieilles choses, entre guillemets. Même si les années 90, c'est pas si loin que ça. C'était ce groupe de rock gothique français qui s'appelle De Marbre. Je cherche la chronique par chez Leyan. Donc là, l'album s'appelle Feu de Veine. Notre collègue parle beaucoup du Digipack qui a été sorti. Et... je voulais juste en mettre un petit single qui s'appelle New Moment. Et c'est sorti donc cette année et en autoproduction, donc en démo, on peut dire ça comme ça. Donc, enfin, c'est auto-très produit en tout cas. Voilà, je vous envoie ça tout de suite, New Moment, par De Marbre. We'll be right back.
Voilà, c'était New Moment de Marbre, le single de Marbre, où ça chante en français, en anglais. J'ai enchaîné avec un autre groupe, on va dire assez estampillé, punk, post-punk, si vous voulez, qui a été beaucoup chroniqué dernièrement par un de nos chroniqueurs, qui s'appelle Therapy, avec l'accent français. C'est leur dernier album qui s'appelle Hard Cold Fire. Et vu que je l'ai pas écouté, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Eh bien, je vais mettre le morceau où il y a marqué parole explicite. Hein. Allez. Bewildered Herd. Dernier thérapie, ils ont toujours un amour des tubes pour la radio, hein, ces gens-là, quand même, un petit peu. Hein. Je vais enchaîner avec un autre hit radio des années 90, c'est un groupe qui s'appelle toujours Corrosion of Conformity, et ils sortent un nouvel album cette année, qui s'appelle On the Hunt, si je me trompe pas. Dévoilé, ah non, c'est une reprise. On the Hunt. Une reprise de Lynyrd Skynyrd, voilà. Et on va écouter ça tout de suite. On the Hunt, de Corrosion of Conformity. Nouvel album cette année. We'll be right back.
C'était la reprise par Corrosion of Conformity de On the Hunt de Lynyrd Skynyrd en hommage à ce groupe et au seul survivant du groupe depuis tout ce temps. J'ai enchaîné avec une autre nouveauté, un nouveau Will Even, messieurs dames, avec un morceau qui s'appelle Fire of Fire. Allez, pas de blabla, j'enchaîne direct. Thank you.
C'était. Ça va être encore énorme là, ce dernier Will Even. Bon Dieu, j'en ai perdu mes mots. J'enchaîne avec plutôt un Ken Mode qui s'appelle I Cannot. C'est le dernier album qui est sorti cette année, qui va sortir cette année. Qui est sorti cette année? Qui va sortir cette année? Je me souviens plus. Il y a juste un morceau disponible. Ouais, il n'y a pas de détails sur la date. J'ai pas trouvé. Bref. I Cannot de Ken Mode. Destroy!
c'était le dernier à Ken Mod. Pas content encore une fois. J'ai enchaîné et terminé cette petite émission improvisée avec le dernier Immortal. Donc là, j'en attends beaucoup moins. Forcément, je sais même plus qui il y a dans ce groupe. Tellement ça s'est splitté, resplitté, desplitté. Donc le morceau s'appelle War Against All. Et il va peut-être, sans doute, conclure donc ce petit show improvisé. Principe, c'est Demonas tout seul qui fait tout. Donc, révision Immortal aujourd'hui, c'est Demonas avec des invités. Qu'est-ce que je vois? Kevin Kvole et Icedale. Je connais pas. Des gens qui ont joué avec Gal. Et Immortal. Et puis, donc Icedale a joué avec Audrey Horn, groupe de hardcore, je crois. Enslaved. Bah oui. Et puis voilà. Trina Kria. Et je vais vous dire au revoir avec. Enfin, au revoir pour quelques heures. Ce soir, on se retrouve avec Pokémon Slaughter pour parler Napalm Death encore une fois. Mais maintenant, vraiment de Napalm Death, pas de tous les petits projets que les membres de Napalm Death ont commencé, terminé, pas terminé. Et puis, la semaine prochaine, il devrait y avoir 2-3 autres shows avec moi ou non. Je ne sais pas encore. Ce dimanche sur Je reviens tout seul, je refais une petite radio news. Radio news du week-end. Radio news du week-end de l'ascension. Allez, au revoir.